Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 erreurs très courantes que l'on peut faire en prise de vue argentique. Avant de commencer, sachez que vous pouvez soutenir mon travail sur Tipeee si jamais vous avez envie de donner quelques euros par mois, le lien est dans la description. La première erreur assez classique en argentique, c'est d'ouvrir le dos alors que, en fait, on a une pellicule à l'intérieur, ou bien de débrayer le dos amovible de son moyen format si jamais on shoot en moyen format. Ça peut vous paraître très bête, mais mon conseil, c'est de refermer le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que clairement, la vue que vous allez exposer directement à la lumière, que vous laissiez 5 minutes ou que vous laissiez une ou deux secondes, bah, clairement, la vue sera cramée. Par contre, les vues qui sont à côté, donc celles qui sont déjà dans la cartouche, a priori, elles sont sauvegardées. Par contre, les vues que vous avez déjà commencé à enrouler sur la partie réceptrice de votre appareil photo, eh bien celle-ci, le film est enroulé sur lui-même, donc en fait, la lumière après peut venir pénétrer à travers les différentes couches de pellicule, et le but du jeu, c'est d'éviter que ça vous arrive, donc plus vous fermez vite, plus vous évitez ce phénomène. Typiquement, moi, ça m'est arrivé sur un Olympus AF1, pour lequel j'avais ouvert le dos, alors que je pensais avoir rembobiné la pellicule, donc l'intégralité de la pellicule était déroulée, sauf qu'une bonne partie était au niveau de la bobine réceptrice, et en fait, j'ai limité la casse, il y a quelques vues qui ont été impactées, mais le reste des photos n'a strictement rien eu, les photos qui étaient les premières, en fait, tout simplement. Donc j'ai refermé très très vite mon dos et j'ai eu aucun souci. À part bien sûr les quelques vues que j'ai cramées. Dans le cas du moyen format, c'est un petit peu particulier puisque je vous rappelle que le moyen format utilise des bobines et non des cartouches. Et le fait d'avoir des bobines, vous avez un papier qui est protecteur et qui fait que quand vous enchaînez les vues et que vous passez à la vue suivante, les vues que vous avez déjà exposées se réenroulent dans la bobine réceptrice avec le papier de protection. Donc a priori, il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que les vues qui sont proches de votre vue actuelle, mais du coup, elles peuvent avoir des problèmes. Alors sur le Mamiya 645 1000S, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la vue qui était directement prête à être prise, en fait, n'a rien eu puisque elle était située au niveau du cadre et donc du coup, le cadre a fait une espèce de paroi étanche en fait autour du film. Par contre, les vues qui étaient avant et après, elles ont été clairement cramées. J'ai rien pu récupérer. Hein, y a la moitié de l'image qui est partie. Pour le Mamiya 645 AF, c'est différent puisque on a un dos amovible et c'est encore un cas un petit peu particulier. Le dos amovible, vous imaginez bien que là, pour le coup, vous enlevez le dos, vous avez clairement votre vue qui est exposée à la lumière, donc vous ne la récupérerez pas. Par contre, j'étais agréablement surpris de voir qu'en fait, les vues avant et après n'avaient strictement rien puisque là encore, le cadre avait joué son rôle d'étanchéité, on va dire, à la lumière. Et du coup, si vous ne le laissez pas trop longtemps à la lumière, il y a peu de risques que vos images soient trop impactées. La deuxième erreur assez courante, c'est de forcer sur le levier d'armement de son boîtier. Et ça peut avoir un effet un petit peu dévastateur sur votre film, puisque si vous forcez, vous risquez d'arracher l'écran et les perforations qui se trouvent sur votre film, et du coup de plus réussir à avancer votre film, et là c'est problématique. Moi ça m'est arrivé sur un Horizon S3 Pro, où en fait j'avais une Ektar 100 à l'intérieur, j'ai voulu avancer le film, et crac, j'ai complètement pété l'écran, et j'ai même en fait déchiré le film à l'intérieur. Dans ces cas-là, quand ça vous arrive, surtout vous n'ouvrez pas le boîtier, vous attendez d'être chez vous ou dans un endroit assez sombre, vous ouvrez le boîtier dans le noir, vous récupérez le film comme vous pouvez, vous essayez de le mettre dans un récipient hermétique à la lumière. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris une cartouche noire qui était vraiment bien hermétique à la lumière. Je l'ai mis encore dans une protection. Du coup, j'avais aussi prévenu le labo pour leur dire de bien développer en manuel ce film, puisqu'ils ne pouvaient pas juste prendre la cartouche, la mettre à l'air libre et le mettre comme ils le mettent dans la machine de manière automatique. Là, ça nécessitait vraiment un développement manuel, donc je l'ai absolument précisé au labo. Troisième erreur extrêmement classique et qui nous arrive encore à tous, c'est d'oublier d'enlever le cache de son objectif ou de virer le volet de protection de son moyen format, parce que sur certains moyens formats, vous avez un volet de protection, notamment ceux qui ont le dos amovible, pour empêcher, en fait, c'est une sécurité supplémentaire qui fait que quand vous retirez le dos, vous ne l'avez pas exposé à la lumière, vous avez un volet de protection qui vient rendre complètement hermétique votre dos. Et ça peut arriver que quand vous vouliez déclencher, et bien vous appuyez sur le bouton, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et en fait, c'est tout simplement parce que la sécurité est encore en place et il faut juste que vous retiriez le volet. Voilà, et ça fait après un déclenchement normal. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on se dit mince, pourquoi j'appuie sur le bouton? C'est juste ça et c'est une erreur toute simple à corriger. Quatrième erreur assez courante également, c'est d'avoir le réflexe de recharger la vue suivante alors qu'on sait qu'on ne va pas shooter et qu'on va mettre potentiellement son appareil dans le sac.
Il y a beaucoup de boîtiers qui ont des protections qui font que quand vous l'éteignez, de toute façon, vous pouvez appuyer comme vous voulez sur le déclencheur, ça ne déclenchera pas. Il y en a qui ont des verrous mécaniques qui font que ça ne va pas bouger, des locks, comme on appelle ça en anglais. Vous avez souvent la petite lettre L sur les boîtiers. Et le problème, c'est que bah, certains boîtiers, ils n'ont pas cette protection. Je pense notamment à mon Pentax Spotmatic SP qui n'a pas cette protection. Et en fait, régulièrement, quand j'ai mon Pentax Spotmatic avec moi, je le mets dans mon sac. Et régulièrement, quand je récupère mes négatifs, en fait, j'ai entre 3 et 4 vues qui ont été déclenchées complètement dans le vide, donc qui sont complètement noires. Et bah, pour éviter ça, je vous conseille vivement de ne pas avoir le réflexe de recharger votre vue suivante. Parce qu'en fait, le fait de recharger va mettre votre déclencheur sensible à n'importe quelle pression. Et il suffit que dans votre sac, y ait un choc et voilà, le déclencheur déclenche. Et après, bah, quand vous récupérez votre boîtier, vous vous rendez compte qu'en fait, il faut que vous rechargiez, signe que la vue a été déclenchée pour rien. Cinquième et dernière erreur qui pourrait vous arriver, notamment si vous shootez en moyen format, c'est l'oubli d'avoir une bobine réceptrice de secours quand vous shootez en moyen format, d'avoir tout simplement une bobine en plastique en plus, au cas où vous n'auriez pas de bobine réceptrice dans votre boîtier. Pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle, je vous rappelle qu'en moyen format, vous avez une bobine avec votre film dessus, et vous avez une bobine dite réceptrice qui va récupérer le film, et qui va vous permettre, une fois que toute votre pellicule aura été exposée, de récupérer la bobine en entier, réceptrice, avec le film dessus, film que vous allez ensuite développer. Et ce que vous faites en général, c'est que la bobine qui était initialement qui tenait le film initialement avant que vous le shootiez, bah celle-ci devient vide et du coup vous avez toujours une habitude à prendre de mettre cette première bobine en position de bobine réceptrice et ainsi de suite, à chaque fois vous allez remettre un nouveau film, etc. Bref, vous avez compris. Le problème c'est que si vous avez viré une des bobines réceptrices de votre appareil photo, eh bien si vous avez oublié que vous l'avez fait, eh bien vous vous retrouvez sur votre lieu de shoot à ne pas avoir de possibilité d'enrouler le film que vous voulez mettre dans votre boîtier, et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas shooter. Alors une fois, j'ai essayé de me dire que j'allais sacrifier une pellicule pour récupérer la bobine réceptrice, je l'ai faite, sauf que j'ai jamais réussi à récupérer la pellicule, ça a été un échec cuisant, et du coup j'ai perdu 10 balles pour une bobine, ça fait quand même un petit peu cher. Donc vraiment, le conseil sur cette cinquième erreur, c'est de toujours avoir une bobine réceptrice en rab. De toute façon, dès que vous allez faire un développement quel qu'il soit, vous allez récupérer une bobine en plastique, ça vous coûte pas grand chose d'en avoir une ou deux dans votre sac, et comme ça au moins vous êtes tranquille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres marques ou d'autres erreurs qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram capteur-argentique et sur mon site internet capteur-argentique.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, salut !